Mais salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Insomniac Ultra Hardcore, c'est l'épisode 11, je ne sais pas pourquoi je vais le prononcer aussi vite. Alors, la dernière fois on avait trouvé notre petite forteresse de l'Inde, on avait cherché pendant 3 heures après le portail mais on ne le trouvait pas. J'ai aussi trouvé un petit peu plus d'or pour faire des pommes, ça c'est cool, enfin j'en ai juste une pour le moment, donc je trouve plus d'or. Alors, du coup, en faisant le montage j'ai vu un truc et ça s'est confirmé dans les commentaires, je voulais pas me spoiler mais il y a des gens qui m'ont spoilé. Donc je tiens à le préciser, mais il y a visiblement une autre partie de la forteresse dans la faille avec toute la flotte. Donc je propose d'aller voir, je sais même plus où c'était en réalité. Hop, ça fait un petit moment qu'on a tourné le dernier épisode techniquement. Est-ce que je pouvais y accéder par là ou est-ce que... Par où j'y accédais en fait? Il me semble que les bulles sont juste derrière là, je les entends. Hop, ouh, ça c'est pas une torche. Ouais, voilà la faille ici, ok. Et du coup... là, il y a quelque chose. On voit la stone brick là-dedans. On l'entrevoit pendant un petit moment de l'épisode. De toute manière, il y en a qui m'ont spoilé. Donc voilà, je sais qu'il y a quelque chose là. Ok. Ça va être compliqué. Alors, on peut reprendre de l'oxygène là-dedans, je vous rappelle. Le problème, c'est que ça nous emmène vers le bas. Donc il faut être intelligent. Et genre, reprendre l'oxygène. Et puis hop, se laisser remonter. Et hop, on va nager. Ok. Ouais, il y a clairement quelque chose ici. Je vais essayer de passer... Bah tiens, là, il y a un passage. Ah, bah tiens, voilà. Ok, bon, ça c'est... Au moins, ça c'est fait. Le portail... En plus, je l'ai dit, quoi. Je l'ai dit, hein. Si vous vous souvenez, il y a un moment, j'ai dit dans l'épisode, si le portail est dans la faille, en fait, je vais péter un câble ou je sais plus quoi. J'ai dit un truc comme ça, en plus. Qu'est-ce qu'il y a de la cobble, là-haut? Donc, ouais, c'est juste le jeu aime bien me troller, en fait. Qu'est-ce que... Ok, ils peuvent pas m'atteindre, hein, on est d'accord. J'ai peur qu'ils puissent m'atteindre. Je fais des torches pour pouvoir éclairer. Bon, on va retirer le spawner. Hein. Pas besoin de ce spawner de silverfish. Toutefois, il faut l'atteindre assez vite quand même. Ou sinon, il va nous embêter. Donc, j'ouvre la voie ici présente. Voilà. Ok, il y a juste un petit silverfish. Qui, du coup... se préoccupe même pas de nous. Ok, il y a peut-être un autre qui va spawner, attention. Non, ça a l'air d'être bon. Ok. Un œil. Littéralement, un œil. Ok. Ça c'est un petit peu embêtant, mais bon, on va faire avec. Qu'est-ce que vous voulez? Hop. Éclairons un petit peu cette zone pour que ce soit spawn-proof, fail-proof et tout le proof qu'on veut proofer. Ok, donc... bon, j'ai 4 œils actuellement, ce qui fait 1, 2, 3, 4 ici. Donc il m'en manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bien. Non, 7 plutôt, je ne sais pas compter. Donc s'il m'en manque 7, il manque juste 3 enderpearls en fait. Et normalement j'ai assez de blaze rod. Ok, bon, on s'en sort pas si mal alors finalement. Bon, c'est clair qu'un portail avec un petit peu plus d'œils directement aurait été sympathique, c'est sûr, mais on va pas se plaindre non plus. Parce que bah, ça pourrait être pire, franchement. Donc ouais, ma foi, ouais. Bon, bah, il va falloir aller chercher des enderpearls. Comme d'habitude, ça va être génial. Il va falloir ressortir en haut et puis juste aller en chercher. Ah ok, c'est les blocs que j'ai. Je me disais, mais il y a un truc qui monte là dans la faille. Non, c'est juste les blocs que j'avais placés. Il y a de l'or là, je l'avais pas vu cet or là. Il y a de l'or partout en fait, je suis en train de me dire. Regardez ça, il y a de quoi faire une deuxième pomme là. Et du coup, régénérer pas mal de vie quand même. Ce qui est pas rien du coup. Hop, je vais aller me faire plaisir et aller me chercher cette magnifique or. Ah, ça arrive quand vous nagez, que vous ressortez de l'eau, on peut prendre des dégâts. Ça devrait être totalement fixé. Ok, bon. C'est un petit peu stupide comme perte de demi-cœur, mais bon, des fois on doit se sacrifier pour avoir de l'or et pouvoir régène. Ok, bon. Je vais me régénérer un peu ma vie, puis je vais ressortir dehors un petit peu pour chercher de l'Ender Pearl. De toute façon, d'un point de vue stuff, on n'est pas trop mal pour se faire l'Ender Dragon, qui est notre objectif principal, je vous rappelle. Et il me faudra juste toutefois plus de flèches. Donc j'ai encore des plumes, pas non plus masse. Mais après, il me faut pas énormément en fait, parce que... Bah, parce que voilà. Par contre, ouais, il me faudra quand même quelques pommes pour se faire l'Ender Dragon. Genre de quoi régène. Parce que, évidemment, ça va. Comment dire? Ça va aller assez vite, je pense, au niveau de la vie, de ce qu'on va perdre en se battant contre lui, parce que ça va vite, franchement, il fait assez mal. Du coup, ouais, avoir quelques pommes pour régène ne ferait pas de mal. Après, c'est quand même assez hardcore quand j'y pense. Peut-être qu'une prochaine saison d'Insomniac Ultra Hardcore, on permettrait quand même les potions de régène, enfin, les potions
de heal de niveau 1. Parce que encore les potions de heal de niveau 1, ça va encore. C'est pas si cheaté. En plus, faut quand même trouver de quoi les faire. Du coup, c'est pas non plus totalement cheaté. Je cherche du charbon parce que j'en ai plus. Je pense que dans le jeu, il devrait quand même rajouter un peu plus de génération de d'enderperles autres que les endermen. Parce que je trouve que des fois, ça peut être assez long de compléter le portail au final par rapport à, on va dire, ce que ça devrait mettre. Alors que s'ils mettaient juste quelques enderperles de temps en temps, genre dans les coffres au trésor, des trucs que... Bah les coffres un peu partout, bah ça permettrait d'aller quand même un petit peu plus vite. Alors, je vais d'abord faire d'ailleurs quelques petits Eye of Ender directement. On va les faire direct en fait, j'ai déjà allé les placer comme ça au moins ils sont pas, ils traînent pas dans mon inventaire en fait, ça me fait de la place. Ce qui est quand même un bon petit avantage. Hop. J'adore le bruit que ça fait par contre, ces petits yeux. Ok. Ouf. 4 qui... 3. 3 qui en manque. Oui, 3 en fait. Oui, c'est 3 qui en manquait. Ok. C'est ce que j'avais calculé en plus. Je suis en train de me... D'un coup, je me suis en train de me dire, mais il en faut moins que je ne le pensais. Mais en fait, non, c'est exactement ce qu'il me fallait. Par contre, j'ai mal à retrouver le chemin où j'avais sorti. D'ailleurs, on va pas prendre plus de risques maintenant. Je vais manger une des pommes d'or maintenant parce que j'ai vraiment, alors vraiment peu de vie sur moi. Un bête accident et c'est directement la fin. Donc ouais, je vais éviter les risques et périls stupides. Par contre, je vais en garder une deuxième évidemment pour me régénérer. Et du coup, alors, niveau or. En réalité, je pourrais explorer quelques grottes et faire suffisamment d'or pour faire 2-3 pommes en plus. Franchement, ça va vite, surtout quand il y a beaucoup de grottes. Et maintenant les dangers classiques, on va dire les squelettes et tout ça, c'est plus un énorme danger franchement. Par contre, bah ça prendra un petit peu de temps quoi. Ouais, donc ouais, autoriser les potions de heal de niveau 1 quand même aurait été selon moi plus intelligent parce que là ça fait un petit peu trop farm à ce niveau-là. Malheureusement, hop. Surtout que on va avoir besoin de quelque chose pour ce heal forcément contre l'Ender Dragon. Donc ouais, ma foi, pour une future saison peut-être, ou une update ou autre chose, on verra bien. Ok, il fait jour, bientôt la nuit en réalité. Ok, c'est parfait, ça me permet de setuper très rapidement un petit point de farm d'Ender Pearl, ma foi. Ouais, cheval. Ah oui, j'avais réduit la portée de vue là, moi. Je faisais des tests, du coup j'avais réduit la portée de vue pour autre chose, mais ouais. Ok, ouais, il me semblait bien que je voyais pas grand-chose ces derniers temps. Ah ouais, là ça va un petit peu mieux quand même. Alors par contre, où est-ce que je peux me mettre pour farmer l'Ender Pearl ? Vous m'excuserez de cette déco des plus... voilà, hein ? Je l'enlèverai après parce que, je vous rappelle, on doit faire toujours notre maison et je pense que j'ai bien envie de faire la maison ici. Quoique, en réalité, quand j'y repense, quand on va respawner après avoir battu le dragon, on sera forcément plus ici. Du coup, ça pourrait être un peu problématique. Je vais garder aussi un truc pour gérer les araignées. Voilà, là, c'est suffisant. On va se prévoir aussi un petit chemin de retraite en cas de problème avec fantôme qui aurait apparu de manière inconsidérée, nous allons dire. Comme ça, je suis tranquille pour cette nuit et ce sera nickel. Rajoutons une ligne de plus ici derrière aussi. Voilà, pas trop mal comme ça. C'est pas hyper beau, mais ça marche, ça marche. Donc j'ai toute une vue sur la plaine, tout autour de moi, donc ça pourrait être mieux avec un désert, évidemment, parce qu'au moins, s'il pleut ou autre chose, il se téléporte pas, mais... Ça fera l'affaire, ça fera l'affaire. Bientôt la nuit d'ailleurs. Du coup j'optimise mon temps, j'en profite pour faire des flints supplémentaires. Parce qu'on ira chercher certainement un petit peu plus de poulet. Il me semble qu'il y en avait qui traînaient dans cette plaine, je suis même plus sûr. Vous savez ce que je devrais à limite me faire? C'est... J'allais dire pourquoi il n'y a rien qui spawn mais il y a un squelette là-bas. Je devrais limite me faire un truc où je peux pêcher en fait pendant que je farme les enderperles. Ce serait vraiment... Full bénéf là par contre, parce que du coup j'aurais un petit peu de poisson. Bon, c'est pas génial, mais par contre j'aurais de temps en temps un arc ou autre chose, donc ce serait génial. Je vais donner un petit coup à ce zombie, bébé zombie là, qui se balade. Ok, juste une flèche au préalable pour être sûr qu'il ne doit pas prendre de dégâts bêtement. Je récupère ma flèche. Ok. Alors ça c'est un cheval, c'est pas un Enderman, on pourrait y croire, mais non. Oh la quantité de squelettes à droite là. Mais il y a tout qui a spawné là, il y a rien qui a spawné autre part. Pourtant dans l'océan, il devrait pas avoir tant de dronettes que ça qui spawn et qui me bloque le spawn des mobs à la surface, mais
Apparemment, c'est le cas. En plus, j'ai éclairé une partie des grottes, donc ça devrait mieux spawner ici. Oh, j'étais en train de faire mon lac d'eau. Il y a un Enderman qui arrive pendant ce temps-là, quoi. Eh, viens. Tombe pas dans mon étang, par contre. Allez, allez, allez. Une petite boule. Yeah. Oh, hé. Seal Touch, champion Seal Touch aussi. Ça, c'est parfait. Bon, je m'en fiche en réalité, mais bon. C'est possible de faire du Seal Touch comme ça. Ok, bon, c'est pas si mal comme nuit au final. Lui, il me rassure pas des masses. Je vais au moins lui mettre une flèche comme ça. S'il s'approche, j'aurais juste à lui donner un coup d'épée. C'est pas si mal comme du. Au final, déjà une Ender Pearl. Je pourrais en avoir deux, ce serait nickel, mais bon. Ok, alors j'ai une petite. Ok, ah oui, je peux pêcher les items, c'est vrai. J'ai une petite étang là, il faut que je pêche un petit peu plus loin pour que ce soit l'accès au ciel. Je vous rappelle, ça mord mieux si vous avez un accès au ciel. Et du coup, je ne vois pas de particules par contre. Franchement, je suis limite tenté de me faire une des nouvelles fermes à pêche. Ah bah tiens, voilà, premier poisson. Justement, de la nouvelle version de l'1.13. Parce que vous pouvez faire une ferme à pêche qui prend deux blocs, littéralement. Aucune redstone. Vous avez besoin de juste une porte. Et des petits trucs dans le genre. Enfin, genre une porte, un coffre, des trucs dans le genre. C'est ridiculement bas comme prix pour faire ça. Laissez-moi pêcher! Laissez-moi pêcher! Ok, j'ai compris. Un troisième, évidemment. Il y a un squelette aussi assez proche que je n'aime pas trop là. Nah. Ok, j'ai cru qu'il venait m'attaquer, mais en fait il était en mode je cherche juste un endroit où m'abriter. Ok. Non, même pas en fait, il était juste en train de se déplacer aléatoirement. Ok. Voilà, ok, tu m'as rendu une flèche au moins. C'est toujours ça. Après, il m'a un petit peu abîmé mon bouclier. Bon, ça coûte pas si cher un bouclier. Ok, bon, fait jour, je peux me déplacer. Le petit truc de pêche, c'est sympa par contre. Je suis plutôt content de ça. Ça marche bien. Je pense que je vais davantage le sécuriser. C'était le creeper de tout à l'heure. J'avais bien fait de lui tirer une flèche. Ok, je propose de vite fait aller voir. Parce qu'il y a... On a un petit océan à côté là, je me dis. S'il y a moyen de faire un petit peu d'or comme ça, ce sera plus rapide que de miner. Genre beaucoup plus rapide. Et surtout, ça permettra de peut-être avoir des diamants, ce qui me permettrait de faire peut-être un casque. Et un casque ne ferait pas de mal, bien que j'ai déjà un casque protection 3. Ok, eh bien on va faire ça. Il va falloir que j'aille rechercher du bois d'ailleurs, si ça continue. Ce qui est dommage, parce que j'avais beaucoup de bois, c'est juste que j'ai dû l'abandonner vu que j'utilisais pas du tout. Mais bon, ça me rend un petit peu triste tout ça. Ok, let's go. En espérant pas tomber sur... Ok, je suis descendu sur un... Ouais. En espérant pas tomber sur les autres trucs, j'ai cru que c'était un bateau, mais c'est juste un bout de terre. Pas tomber sur les autres vilaines créatures. Ah, d'ailleurs, pour ceux qui se demandent, non, ne j'utilise pas la dernière snapshot parce que c'est buggé pour le moment et je vous déconseille de passer dessus. Parce que tous les mondes créés... Oh, ça c'est facile comme ruine. Tous les mondes créés en 16A sont buggés pour le moment si vous la chargez dans la 19A ou B même. Donc c'est un peu stupide, mais c'est comme ça. Et en plus, tous ceux qui sont générés avant la 16A, par contre, fonctionnent. Donc c'est ouais, c'est un petit peu stupide. Est-ce qu'il y a un coffre au moins là-dedans? Même pas. Ok, bon, fuck you également. Je me disais bien aussi, là. Je crois pas que les ruines se génèrent... Enfin, le coffre se génère ici. Ah, quoique... Il doit normalement se générer, mais je suis pas sûr. Ouais, je pense que c'est buggé, comme c'est généré à moitié dans la dans le sol. C'est dommage, c'est dommage. Ok, ça arrive de temps en temps de tomber sur des trucs vraiment buggés comme ça, mais bon. Des fois, on n'a pas de chance. Hein. Ah ben voilà, un petit coffre quand même. Avec une map au trésor et du charbon. Ça, je dis pas non. Ok, alors, qu'est-ce que tu nous dis la map? Aller au nord, ouest. Ok. Ça doit être ici normalement. Yes, je vois mon pointeur bouger. Sur ce petit bout de côte là. Ah, ça a l'air tranquille. Il n'y a pas trop de mobs ni rien. C'est nickel ça. Ok.
Du coup, comme d'habitude, je vais essayer de pas me gourer un petit peu à droite, un petit peu devant. C'est normalement là-dedans. Ah, le voilà, ok. Wow, ok, ça fait beaucoup de trucs, mais pas vraiment ce que je voulais. C'est dommage, c'est dommage. Je vais prendre de la TNT. J'ai envie de me faire péter de la TNT. Un de ces quatre, depuis le temps que j'avais dit que je voulais en faire. Donc, ouais. Vite, vite, allons trouver autre chose. Est-ce que je vois un bateau là-bas? Je pense que c'est un bateau, juste là devant moi. Pas trop loin des ruines, mais honnêtement, avec les poulpes, ça me servira de bouclier, vu que les vilains guardians n'aiment pas les poulpes. Ok, let's go. On devrait larguer maintenant. Hop. C'est parti, mon kiki. On va nager pour aller plus vite. Coffre du capitaine en priorité, de l'or, nickel, un petit peu de fer. On fiche des nuggets. Reprenons un peu d'oxygène. Ah, je commence à avoir l'habitude hein, d'explorer les ruines maintenant. Ok, on les entend de loin, mais ils sont encore loin, donc ça devrait être tranquille. Et maintenant la cale, on va chercher la petite map, en espérant que c'est une nouvelle map. Checkons quand même le coffre à l'entrée, même si... Ouais, c'est pas trop ça, quoi. J'aurais pas le temps d'y aller, par contre, avec le soleil, là. Ouais, clairement, j'aurais pas le temps, mais j'aimerais au moins la trouver. Ah, ça doit être elle. Je vois une île. Yes, c'est elle. Ok. Bon, elle est pas trop loin, mais bon, j'ai pas le temps, malheureusement. Demain, sans faute, on va commencer déjà à les pêcher. Il me faut en priorité les Ender Pearls. Ok, je suis de retour pour la pêche, en espérant avoir un bon arc. Ou un petit livre enchanté, là, ce serait nickel. Vu qu'on n'a pas eu de bibliothèque dans ce donjon, franchement, je serais très content. Ah, ça sexe. Il pleut, on n'aura pas d'Enderman. Ah. Par contre, la pêche sera plus efficace, donc ma foi, c'est le moment de pêcher, je suppose. Surtout qu'on est à l'abri hein, des fantômes et tout ça, mais bon. J'ai une bouteille d'eau, je pourrais faire une potion, nice, je suppose. Éventuellement. D'ailleurs, oh, ok. Est-ce qu'il me reste encore de quoi faire des potions au final? 3 blaze rods, oui, il me reste de quoi faire des potions. Enfin, il me faut une blaze rod, enfin deux. Une blaze rod ennemie pour faire le reste des ender perles, ou des ender eyes. Donc ouais, je pourrais faire quelques potions, et je ferai certainement quelques potions, peut-être une potion de force, quelque chose comme ça, c'est la plus simple à faire. Et elle est efficace, quoi qu'il arrive, donc ça c'est cool. Oh, j'ai eu un lilypad, ma foi. Pêche de l'année, moi je vous dis, pêche de l'année. Pas trop les squelettes quand ils viennent trop proches là. Dégagez, il y a aussi un zombie. Heureusement on peut pêcher sans regarder, il suffit d'entendre le bruit, ça marche très bien d'ailleurs. Oulala. Oulala. Le squelette en même temps. Ou non. Oh, je vous jure, what the fuck. Il y a tout qui arrive en même temps. Fuck it. Je cours vers l'endroit où j'étais sûr avant. Fuck it. Ou alors je me mets là, c'est pas mal aussi. Ouf. Ok. Oh la vache, je vous jure quoi. Y'a que moi pour avoir... En plus, je les voyais, ces squelettes, je me suis dit... Tirons une flèche préhentive, peut-être. Non, je me suis dit, non, on va pas gâcher une flèche. Bah si, voilà. Y'a tout qui arrive en même temps. Ok. Le truc, des fois, vous vous demandez si le jeu ne fait pas exprès d'amener tous les mobs en même temps, quoi. Le bébé zombie, les zombies et le squelette en même temps. Et je perds encore une fois de la vie bêtement, c'est génial. Oui, j'aurais pu manger une pomme, mais bon... perdre du temps à manger une pomme, enfin j'ai pas le réflexe moi de manger une pomme parce que je trouve que je perds du temps à manger une pomme donc je préfère juste courir, surtout que courir c'est ma spécialité vu que je fais beaucoup de map jump. Bon, je vais vivre ici toute ma vie en attendant la journée et techniquement là techniquement tu vois là si je ferme ici comme ça là je peux pêcher hein. Je peux pêcher totalement et si un mob tombe
Ben, il faudra qu'il nage pour m'atteindre. Donc j'ai mon bouclier si c'est un squelette et si c'est un zombie, je pourrais le tuer sans problème. Vas-y, j'optimise mon temps, moi. Hein. Je pense qu'il va pas tarder à faire jour, là. Ouais, la lumière devient de plus en plus... lumineuse, je suppose. Le problème, c'est que du coup, les mobs vont pas despawner. Oh, il y avait un squelette. Ah, il y avait un truc. Donc je vais devoir... Ouais, mais par contre, là, il fait jour. C'est sûr, certains, il fait jour. Yes, donc les fantômes ne devraient pas spawner. Ok. Du coup, j'ai juste à faire... à tourner un petit peu en rond. J'ai un deuxième bateau à la limite. Je peux faire le contour vite fait. En réalité, j'ai pas besoin de ce que j'ai là-bas. J'ai juste besoin de ma pomme sur moi, ici présente. Et de ma map, qui était ici présente. Et de mon courage, que je n'ai pas. Afin d'aller voir cette petite... c'est l'épave où j'avais été. Afin d'aller voir cette petite île et trouver un magnifique petit trésor. Et ça sera génial. Bon, par contre, encore une fois, je perds de la vie et du coup, j'ai pas assez de vie pour régène. Du coup, que pensez-vous? Est-ce qu'on devrait autoriser les potions de régène de... Enfin, de Instant Health, donc des potions de régène instantanée de niveau 1? Je pense qu'il faudrait les autoriser parce que c'est limite trop de farm. Je pourrais aller farmer, hein, clairement. Je pourrais aller retourner au Mesa, à mon Mesa, juste pendant 2 heures, ne rien dire, farmer tranquille. Juste toutes les grottes, je me ferais plein d'or, mais c'est juste... Je sais pas si ça rajoute vraiment de l'expérience à ce mode de jeu, en quelque sorte. Est-ce que ce n'est pas... Ah non, c'est pas l'île. C'est pas la bonne île. Ok. Faut que j'aille à l'ouest. Ah, c'est l'autre, c'est celle qui est plus loin, ok. Ah, je m'y attendais pas, ça. Je m'y attendais vraiment pas. Ah, un deuxième temple de l'océan. Ma foi, c'est... C'est l'océan avec des temples de l'océan. C'est littéralement ça. Ce qui est, on va dire, pratique. J'ai cru entendre un drôle de bruit. Alors, nous avons un magnifique trésor sous l'eau. Du coup, je ne pourrais pas utiliser ma magnifique TNT. Malheureusement, je pense qu'il doit être genre un truc ici. Voilà. Ok, un petit peu d'or et tout ça. Ça va me permettre de faire une potion... Enfin, pas une potion, une pomme pour régénérer ma vie. Même si, évidemment, c'était stupide de perdre la vie, mais bon. Hop. Allons voir si on a d'autres trucs, hein, vu que on est coincé pendant la pluie. Par contre, je verrai pas le jour arriver, ça m'embête. Quel temps on est? 52, donc à mon avis, selon le compteur, le deuxième compteur, quand il sera... 2h60, bah quand il sera 3h, ça devrait arriver la nuit normalement, en toute logique. Oh, qu'est-ce que c'est là-bas? Il y a de la lumière au fond. Oh, c'est classe! C'est classe! J'ai vu un petit truc pendant un moment, c'était assez classe. Allons voir, même si c'est pas une épave. C'est les épaves qui m'intéressent le plus, c'est là qu'il y a le plus de trucs. Ça, c'est moins intéressant, même si c'est quand même intéressant. Ah! Fini la pluie, nice! Ok, ça m'arrange. Ok. Y a-t-il là-dedans? Juste de la lumière comme ça? Peut-être une source de lumière du... Ah, la lave, ok. Oh, une petite faille, mais y a rien comme bloc au fond qui fait des bulles. Je suis étonné. Plutôt rare comme formation. Oh, un méga taiga. Nice. Si je veux du bois, ma foi, je pourrais faire ma maison en spruce, hein, ça pourrait le faire. C'est économique, le spruce, c'est facile à farmer. Je pourrais totalement le faire. C'est une épave? Ouais, c'est une épave, il y avait un truc là. Non, c'est un bout de rocher. Oh là là, ça ressemblait vraiment à une épave de loin. Franchement, ah oui, ça ressemblait, mais vraiment comme une épave. Ok, en plus c'est du gravier quoi. Ah, une jungle! Oh! Une jungle! Ah bah si je veux du melon là, si... Du coup, si... Je vais mettre le vote. Est-ce que vous permettez qu'on utilise des potions de... Instant Health 1? Alors je suppose qu'il va y avoir deux grands groupes de personnes. Il y a les groupes qui vont être en mode « oui » et puis il y a le groupe qui va être en mode « c'est pas assez hardcore ». Donc, ma foi, à vous de voir, je mets le vote. En tout cas, si je veux du melon, il y en a là-dedans, à coup sûr. Et il y a une tortue sur la plus petite plage du monde. Voilà, c'est une race en voie d'extinction. Leurs plages sont en train de diminuer à cause du réchauffement climatique. L'eau monte. Malheureusement, et du coup, bientôt, elles n'auront plus de plage. J'ai cru entendre quelque chose derrière moi.
Ouh là là, par contre on la sent bien la jungle, hein, avec la snapshot là qui est pas encore tout à fait optimisée niveau FPS. On la sent bien cette jungle. Hein. Ouh, bateau. Je vais prendre ma pomme maintenant parce qu'il me reste plus beaucoup de cœur. Je me dis, comme ça on peut aller en mode YOLO dans le bateau sans trop se préoccuper. Fire protection, projectile protection. Rien de bien intéressant. Ah, le deck du capitaine est totalement enterré là. Je sais pas si on trouvera de coffre là-dedans. Non, je crois pas qu'on trouvera quelque chose. Oh, quoique la porte est générée, donc peut-être. J'ai de la place là et j'ai de quoi respirer, donc peut-être. Oui, ok, ça se génère bien. Donc le coffre du capitaine doit être généré lui aussi. Eh, c'est pas mal comme petit endroit là. Je pourrais vivre ici, c'est tranquille. M'embête pas. Ouh, par contre, j'ai plus d'oxygène. C'est bon, voilà. Ah, là, le coffre du capitaine. Malheureusement, pas vraiment ce que je voulais. Même pas du tout. Par contre, si je retourne à un village, je me fais une razzia de peu importe ce qu'ils vendent. Hein. Là, je suis refait, hein, littéralement. Parce que vu la quantité d'émeraudes que j'ai, je pense que je pourrais acheter à peu près n'importe quoi. C'est la même carte. Exactement la même carte, ok. Donc elle ne me sert à rien. Hop, ça arrive des fois, ça arrive. Ça, il va se coucher. Est-ce que je vais... est-ce que je retourne pour... Ouais, il faut que j'aille farmer des enderpearls. Donc on va retourner farmer de l'enderpearl. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je veux même pas savoir, en fait. Donc ça va prendre un petit moment en plus de retraverser tout cet océan. Mais bon. Vite, vite, vite. Ça va spawner. Ok, c'est bon. À l'abri. Plus ou moins, j'espère. Bon, en attendant... Petite pomme supplémentaire en cas de problème, évidemment. Et on va déposer tout le tralala, le bardaf que j'ai pu accumuler. Ok, donc, ouais, une enderpearl. Il m'en manque juste deux, quoi. Juste deux endermen qui spawnent sur la nuit, c'est bon, quoi. Et qui drop aussi une truc, mais bon. C'est pas trop demandé, je pense. Hein. Bon, en attendant, pêcher. Oh, il y en a déjà. Ouh, ça c'est classe, ça c'est nice. Viens là, ramène tes boules. Donne-moi quelque chose. Allez. Yeah. Ça, c'est nice. C'est very nice. Maintenant, il m'en manque plus qu'un. Un bête Enderman. Rien du tout, quoi, franchement. Je vais quand même garder ça sur moi au cas où. Ça aussi. Le reste encore, ça va. Je peux rester là. Je pourrais le retrouver en cas de problème. Je me dis qu'un creeper pour arriver à exploser, donc il vaut mieux que je garde les trucs vraiment précieux. Ok, un seul dernier Enderman. Allez, un tout petit dernier là. Et je ne demande plus rien. Oh. Viens là. Ah, il me voit. Ok, il me voyait pas pendant un moment. Vas-y, donne ta boule. Hop. Une dernière fois. Ah, dommage. Ah, j'en ai si rarement en plus. Ça, c'est le cheval encore une fois. Chaque fois, je me dis c'est un Enderman. Ok. Tu dégages. Ok, bon, ben, je pense qu'on va rester là pour cet épisode. C'était déjà pas trop mal. Bon, il aura duré un petit moment pour moi, mais je suppose qu'avec toutes les coupures pour vous, ça aurait été beaucoup plus court. Du coup, prochain épisode, c'est sûr et certain, on a notre dernière Ender Pearl. Du coup, dites-moi, est-ce que vous m'autorisez, ou plutôt vous autorisez tout le monde qui fait le défi à... parce que c'est les mêmes règles pour tout le monde, avoir des potions de pas de régénération, mais de instant health, donc... Bon, c'est de la régénération, c'est de la potion qui donne de la vie instantanément. Donc de niveau 1, pas de niveau 2, parce que le niveau 2 est vraiment pété, par contre. Donc dites-moi si vous autorisez ou pas, justement. Il y aura le petit sondage dans le petit i. Et du coup, en attendant, ben, merci à tous de regarder cet épisode. On se retrouve pour le prochain, et je vous dis salut à tous.